Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons découvrir l'insertion et la gestion de formes. Donc effectivement, l'insertion de formes dans Word nous permettra d'illustrer un document, le rendre un peu plus attractif, et donc éventuellement aussi de créer des nouvelles images à partir de plusieurs formes. Ici, pour notre exemple, je reprends le texte que j'ai déjà utilisé sur plusieurs des vidéos. Et je voudrais pouvoir présenter ce titre-là d'une façon un petit peu particulière, le rendre un petit peu plus graphique. Et pour cela, je voudrais pouvoir y placer un rond derrière le texte à ce niveau-ci, ainsi que trois petits ronds derrière le texte, enfin devant le texte, après Vignoble de Bordeaux. Donc, lorsque je souhaite insérer une forme, que ce soit comme c'est le cas ici, un rond, mais que ce soit un carré, un rectangle, une étoile ou toute autre chose, j'irai dans un premier temps cliquer sur l'onglet Insertion. En cliquant sur l'onglet Insertion, on me propose l'outil Forme, dans lequel j'ai la liste de toutes les formes disponibles. Vous voyez qu'ici, on a une liste assez grande de formes à disposition. Je vais pour ma part utiliser l'outil Ellipse. C'est cet outil-ci qui me permettra de réaliser un rond. Je clique dessus. Je viens me placer à l'endroit où je souhaite créer ma forme. Je clique, je reste cliqué. C'est très important, hein, je reste cliqué. Et je me déplace afin de donner la dimension souhaitée à ma forme. En donnant la dimension à ma forme, ici, je vois qu'il m'est assez difficile de donner la même hauteur et la même largeur à ma forme, ce qui me permettrait pour moi ici de pouvoir créer un rond. Donc, si je veux être sûr de faire un rond, tout en faisant cette manipulation-là, c'est-à-dire que là, je n'ai toujours pas lâché ma souris, je pourrais appuyer sur la touche Shift de mon clavier. Je vous rappelle que cette touche est la flèche que vous trouvez au-dessus de la touche CTRL. Je vais moi ici appuyer sur cette touche. Vous voyez qu'automatiquement ma forme est devenue arrondie. Vous voyez si je la lâche, j'ai plutôt ici une forme ovale, alors que quand je la maintiens, j'ai bien une forme arrondie. Lorsque ma forme me convient au niveau de la taille, je lâche d'abord ma souris, puis la touche Shift. J'ai donc ici créé ma première forme. Vous remarquerez que cette forme, par défaut, est blanche avec un contour qui est noir. Vous remarquerez également que la barre d'outils dessin s'est affichée. Effectivement, nous sommes sur une forme, nous avons donc les outils correspondants à ce niveau-ci. Pour changer la couleur de la forme, je viens cliquer sur Remplissage de forme. Et je choisis la couleur qui me convient parmi toutes les couleurs proposées. Je vais par exemple utiliser cette couleur-ci. On a également une couleur de contour. Je cliquerai donc sur Contour de forme. Je peux choisir la couleur qui m'intéresse parmi toutes les couleurs proposées, ou bien demander à supprimer le contour. C'est ce que je vais faire ici pour l'exemple. Donc je clique sur Sans contour. Si j'avais utilisé un contour, j'aurais très bien pu ensuite choisir l'épaisseur de celui-ci ainsi que l'étirer, c'est-à-dire avoir un trait plein, discontinu, et donc ici de différentes formes. Pour moi, j'enlève le contour complètement. Voilà, on a bien notre forme qui a la dimension souhaitée avec les couleurs souhaitées. Si je veux déplacer ma forme, rien de plus simple, je clique dessus et je l'emmène à l'endroit souhaité. Pour moi, ma forme, je veux bien la placer à ce niveau-ci. Par contre, j'ai besoin qu'elle soit derrière le texte. À partir du moment où la forme est sélectionnée, je vais dans Outils de dessin. Je clique ici sur le bouton Mettre à l'arrière-plan et je demande à passer le texte au-dessus de la forme.
Nous allons ensuite insérer trois autres formes à ce niveau-là. Je recommence l'opération, insertion, forme. Je prends de nouveau l'outil ellipse. Je pourrais bien sûr utiliser une autre forme. De nouveau, je veux faire un rond, donc je maintiens la touche Shift. Je clique, je reste cliqué et je me déplace pour donner la dimension souhaitée. Lorsque ça me convient, je lâche. Cette première forme, je choisis une couleur. Un contour, de nouveau, je vais le supprimer. J'ai besoin de deux autres formes. Pour éviter de les refaire complètement, je vais faire du copier-coller. Un clic droit sur la forme, pardon, comme ceci. Copier. Je me place à côté. Un clic droit. Coller. De nouveau, un clic droit. Coller, puisque j'ai besoin de trois formes différentes. Cette deuxième forme, je vais la rétrécir un petit peu. Et la troisième, encore un peu plus. J'ai bien mes trois formes. Seulement, vous voyez qu'elles ne sont pas correctement alignées. Puis, on n'a pas le même espace entre chacune d'entre elles. Pour pouvoir faire cela, je clique sur la première forme. Puis, en maintenant la touche CTRL de votre clavier, vous cliquez sur la deuxième forme, puis la troisième. Les trois formes étant sélectionnées, je vais dans la barre d'outils de dessin. Vous voyez qu'ici, par exemple, elle n'est pas affichée, mais en cliquant sur outils de dessin, elle se réaffiche. Et je vais pouvoir utiliser le bouton d'alignement. Je clique sur aligner et vais demander d'aligner au milieu. C'est-à-dire que chaque centre de mes formes sera aligné horizontalement. Je retourne dans le bouton aligner et vais demander cette fois à distribuer horizontalement. Le fait de distribuer horizontalement me permettra d'avoir le même espace entre chacune de mes formes. Je peux ensuite les déplacer comme je le souhaite. Voilà, donc nous avons vu ici comment insérer une forme, changer ses couleurs, utiliser quelques options qui nous sont proposées dans la barre d'outils de dessin. On a utilisé donc les histoires d'arrière-plan, d'alignement. On pourrait ensuite utiliser les autres petites options qui nous permettraient de rajouter quelques effets, les effets d'ombre notamment, ou d'utiliser des styles prédéfinis, voire de modifier la forme si finalement je souhaite utiliser un carré à place d'un rond. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à réutiliser ces mêmes outils pour toutes les formes que l'on souhaiterait insérer. À bientôt!